Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue au Luxembourg City Film Festival. Le samedi après-midi, visiblement, c'est l'heure des masterclass, après celle passionnante d'Adam Egoyan samedi dernier. Nous attendons tous avec impatience celle de l'un des plus des majeurs réalisateurs du renouveau du cinéma allemand des années 60 et 70 et du cinéma allemand tout court, Volker Schlöndorff. Volker Schlöndorff est un authentique représentant du cinéma d'auteur et c'est à ce titre que ce soir, le festival va lui attribuer son Tribute Award 2018. Ce sera vraiment un très grand moment de cette année du festival. Je profite de l'occasion pour annoncer qu'on a, du moment que ça s'est confirmé que Volker Schlöndorff va venir à Luxembourg, on a chamboulé notre programmation d'avril et on a prévu un petit hommage à Volker Schlöndorff avec une rétrospective sélective, donc profitez de cela. La masterclass sera animée par Michel Simon, critique de cinéma, directeur de la fameuse revue cinématographique Positif. Merci beaucoup Michel Simon d'être ici et je vous passe la parole sans fioriture. Je vais dire quelques mots avant de passer un extrait des films de Volker Schlöndorff et de l'accueillir. D'abord, je suis très, très touché. Ce n'est pas ma première visite au Luxembourg et à la Cinémathèque. Je suis aussi très touché qu'il s'agit de Volker Schlöndorff parce qu'on a quasiment le même âge. Je le connais donc depuis 1966 où j'ai découvert Les désarrois de l'Electorless quand il est sorti. Pas à Cannes, parce que je n'étais pas à Cannes, j'étais trop jeune encore pour être à Cannes, mais enfin j'avais découvert ce film qui m'avait impressionné. Et surtout, ce qui m'impressionne le plus, c'est la longévité du travail de Volker Schlöndorff, parce que quand on regarde ces extraordinaires années 60, et peut-être même début des années 70, où il y a énormément de cinéastes qui se sont révélés dans le monde entier, très peu continuent à être actifs aujourd'hui et à signer des films qui retiennent l'attention du public et de la critique. C'est très rare, il y en a vraiment peut-être 6 ou 7 sur les 100 qui ont commencé à cette époque. Évidemment, il y a des gens qui ont disparu, mais d'autres simplement qui ne travaillent plus. Et donc j'admire aussi cette capacité de renouvellement de Volker Schlöndorff. Donc on va d'abord voir un hommage avec des extraits de ses films, et ensuite on l'accueillera. Es war einmal ein leichtgläubiges Volk. Es glaubte an den Weihnachtsmann. Ich wollte von jetzt an keinen Fingerbreit mehr wachsen. Für immer der Dreijährige, der Gnom bleibt. Massenhafter Tod. Zahlen. Ins Deutsche übersetzte Schreckensgesten. Rachel is the one who first called me an ogre. You're not an ogre. You're an ogre. Heilige katholische Kirche nur einen Platz geben kann, den an der Seite Deutschlands und dessen Führer Adolf Hitler. Geben Sie das Ihrem Bischof. Runter mit dem Eierkocker! Das Schicksal Ihrer Brüder liegt in Ihrer Hand. Versuchen wir mal, uns ein Bild zu machen von der unbescholtenen Hausangestellten Katharina. Wo ist er? You said your husband wasn't going to involve the authorities. Nobody was supposed to get killed. We're talking about a murder case.
I've got a message from Harry Barber. There's a body of a girl in the trunk of my car. Arrête là. La cathédrale Notre-Dame, le Louvre et l'Opéra exploseront à leur tour. Ils emporteront avec eux tout le centre de Paris. Rien ne résistera. Si véritablement j'étais de connivence avec les résistants, croyez-vous sincèrement, votre âme et conscience, que vous seriez encore en vie? Back out. I'm sure it will be a big success. Thank you. Qu'est-ce que je peux avoir l'air sérieux sur ces photos? Alors, on ne va pas jouer la comédie comme on se connaît depuis un demi-siècle, comme je le disais. On va se tutoyer parce qu'on se tutoie dans la vie. Alors évidemment, c'est toujours gênant, ça paraît complice et tout, mais ici, on est entre nous, entre cinéphiles. Donc on va se tutoyer. Volker, je voudrais commencer devant l'éclectisme et la curiosité qui caractérise ton travail. Je voudrais que tu me parles de cette citation que je vais te faire de Jorge Luis Borges. Voilà ce qu'écrivait Borges. « Pendant des années, un homme peuple un espace d'images, de provinces, de royaumes, de montagnes, de baies, de bateaux, d'îles, de poissons, de pièces, d'outils, d'étoiles, de chevaux et de gens. Tardivement, il découvre que le patient labyrinthe de lignes trace l'image de son propre visage. » Alors, dans toute cette variété, quelles sont les traces de ton visage que tu reconnais? L'introspection n'est pas mon fort. C'est pour ça que je fais tellement de films. J'essaie toujours d'aller de l'avant. Mais effectivement, en regardant le petit montage que tu as fait si brillamment, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de violence et pas mal d'action. Alors... quand je pense à mes films, j'ai l'impression qu'ils sont toujours plutôt calmes, méditatifs, des films de réflexion plus que d'action. Le fil rouge, c'est sans doute ça quand même. C'est toujours cette interrogation, comment peut-on vivre d'une façon juste, de façon à ce qu'on n'ait rien à regretter. Et quand on vit de cette façon-là et qu'on regarde sa propre vie de ça, on se dit, mais tu as toujours voulu faire ce qui était juste et néanmoins, tu t'es trompé tout le temps. d'où un regard un petit peu implacable sur... la capacité de l'homme de faire les choix justes et de vivre d'une façon juste. Alors, et ça, c'est peut-être ce qui caractérise la plupart des héros quand je les vois comme ça. Il y a aussi quelque chose qui me frappe. Je sais que tu appartiens à une génération, qui est aussi la mienne, pour qui Brecht a été très important. Dans les années 50 et 60, donc quand tu étais formé, quand tu as commencé à faire du cinéma, Brecht était très important. Et il me semble qu'on retrouve dans ton cinéma, sans que ce soit du tout scolaire et sans que ce soit le Brecht des théoriciens qui privilégie la distanciation, que justement tes films se caractérisent par un équilibre entre la distanciation, un certain recul par rapport aux choses que tu montres. Il n'y a pas de sentimentalisme, il n'y a pas de démagogie, et en même temps, une émotion. C'est-à-dire qu'il a le mélange des deux. Et d'ailleurs, tu as un de tes plus beaux films, c'est fait pour la télévision, c'est Bâle, qui est une adaptation dans laquelle Fassbinder joue le rôle principal de cette pièce de Brecht qui précède ses pièces didactiques sur une sorte de poète à la Villon, une sorte de hippie avant la lettre. Je crois que tu as raison. Tu as très bien observé et réfléchi sur mes films. Je m'en étais pas tellement rendu compte, mais effectivement, le mot Brecht, ça renvoie à mon adolescence presque pour moi. Il y a eu, donc pour un jeune Allemand, jeune dans les années 50, né en 39,
Il y avait la découverte de l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale en général et de l'Holocauste en particulier. Donc ce fardeau sinon de culpabilité individuelle, mais en tout cas, voilà, on fait partie d'une civilisation qui a été capable de faire ça. Comment est-ce que ça a été possible et comment peut-on empêcher que jamais ça ne se reproduise, pas seulement par souci moral, mais pour ne plus avoir à coltiner cette culpabilité. Et comment peut-on en parler? Et ça, c'était la deuxième révélation. C'était la découverte de Brecht. Je me souviens très bien, j'étais l'hiver 60, 59-60, à Berlin pour faire un premier stage de mise en scène, d'ailleurs aussi pour rencontrer Fritz Lang. À qui tu as dédié ton premier court-métrage? Oui, c'était très très impressionnant. J'avais 21 ans et je vois ce monument, parce qu'il était vraiment monumental, même physiquement, Fritz Lang plus l'œil ton, le monocle ou l'œil fermé. Donc c'était à Berlin, et lui se plaignait que Berlin n'était plus la ville ou même la civilisation qu'il avait quitté en 1933. Et j'ai dit, oui, mais il y a quand même de l'autre côté, il n'y avait pas encore le mur, il y a quand même dans l'autre Allemagne, à Berlin-Est, il y a le théâtre, le Berliner Ensemble. Et là, depuis un mois que je suis là, j'ai vu trois pièces. J'ai vu la Mère Courage, évidemment, j'ai vu le Galilée et j'ai vu Homme pour Homme. Et je me suis dit, ça c'est quand même une culture formidable, et voilà une façon, comment aborder même l'histoire allemande, voilà un style, est-ce qu'on ne peut pas transposer ça au cinéma, cette attitude? Et Fritz Lang m'a rionné, il a dit, mais j'ai essayé de travailler avec Brecht quand il était à Hollywood, quand j'ai préparé ou quand j'ai travaillé sur Hangman Also Die, il a même voulu m'imposer son actrice principale, la grande Helene Weigel. Eh bien, elle, c'était impossible parce que le jeu était tellement outré, et lui, il était tellement idéologue qu'on ne pouvait pas faire un scénario pour un film hollywoodien, un film qui touche le grand public. Puisqu'il refusait qu'on garde la construction dramatique classique, il voulait que le public soit distancé par rapport au film et le regarde en essayant de comprendre ce qui se passe. Or, le cinéma hollywoodien, c'est le contraire, c'est d'impliquer le spectateur à tel point qu'il oublie de penser et qu'il soit complètement emporté et en s'identifiant avec les héros. Entre ces deux attitudes, j'ai peut-être essayé, enfin maintenant en rétrospective, de prendre mon chemin. J'ai toujours, d'une part, vouloir évidemment attirer le public par l'émotion, que ça soit dans Katharina Blum, même dans Les Désarrois de l'élève Turles, tout de suite très joué sur l'émotion. Le grand modèle, c'était Elia Kazan, les films d'Elia Kazan. C'est à cause de Sur les quais que j'ai décidé de faire du cinéma. Parce que je me suis dit, voilà une façon formidable de parler des injustices du monde. Mais d'autre part, j'ai toujours gardé aussi cette leçon de Brecht. Après, j'ai vu beaucoup de pièces à Paris avec Bertrand Tavernier. Nous avons été au lycée Henri IV tous les deux. Nous avons fait notre bac ensemble et on avait des cartes des JMF, Jeunesse Musicale Française, qui nous permettaient non pas d'écouter de la musique, mais d'aller au théâtre.
Brecht a été presque plus copié au théâtre à Paris à cette époque-là que dans le reste de l'Allemagne. Parce que dans le reste de l'Allemagne, c'était l'écrivain du socialisme, c'était l'écrivain de l'autre Allemagne. Oui, il y a ce drôle de mélange idéologique et intellectuel qui m'a formé quand j'ai essayé de trouver ma voie. Mais après, quand on est, disons, au deuxième ou au troisième film, on ne se pose plus ces questions de qu'est-ce que ça signifie que tu es en train de faire. On essaie simplement de bien raconter une histoire, en tout cas moi. Et je n'analyse plus ce que je fais. Mais tu as détecté très bien la genèse. Finalement, ça vient de là, pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs. Alors, je disais... Parce qu'il y a un côté très didactique, c'est le pire. Hein. Je dirais, j'ai jamais voulu faire du cinéma didactique, mais cette influence de Brecht, il y a quand même quelque chose. Il appelle ça dialectique, mais en fait, c'est didactique. Lehrstück. Lehrstück. Il appelait ça le Lehrstück. Oui, oui, oui. Alors... Lehrstück. Ça, on comprend au Luxembourg. Oui, je parlais tout à l'heure de ton premier film, Le désarroi des Lefteurs. Donc, tu l'as fait quand tu avais 26 ans. Quand il est sorti, tu avais 27 ans, donc tu étais très jeune. Ça a été effectivement le film qui a déclenché l'école allemande, le nouveau cinéma allemand, avant Herzog, avant Fassbinder, avant Wenders. Et je pourrais dire que, d'une certaine façon... C'est un film que tu as fait d'après Heinrich Böll. Alors on parlera tout à l'heure. Non, d'après Robert Musil. Qu'est-ce que je raconte? L'autre c'est Katharina Blum. J'en ai fait tellement. Voilà, mais j'ai mélangé entre toutes ces grandes inspirations. Mais voilà, Robert Musil. L'action se passe en 1906, d'après ce que je me souviens du roman. Et donc ce film, on va en voir un extrait. Et on va peut-être partir de là pour voir ton rapport à la fois au cinéma allemand et d'autre part au cinéma français. Ça va être dur, je vous préviens. Ach, da seid ihr. Bleib dort stehen. Wir haben beschlossen, mit dir endgültig ins Gericht zu gehen. Folgendes liegt vor. Du hast einen Einbruch begangen. Du hast Geld gestohlen. Du hast trotz unseres Verbotes eigenmächtig gehandelt. Du hast versucht, uns gegeneinander aufzuhetzen. Du hast mich übergangen und dich in Reitings Dienste gestellt. Was hast du dazu zu sagen? Aber ich bitte euch. Nimm die Hand runter. Entspann dich. Schämst du dich denn gar nicht? Antworte. Willst du nicht? Was hast du denn? Weinst du etwa? Bist du traurig? Lächle doch. Komm, lächle. Du willst also nicht? Dann werden wir dir einen Grund dazu geben. Lass mich los! Wirst du das kriegen? Lass mich! Ich muss dir zeigen, Mensch! Schwein! Los. Ist das nicht wie ein Auge? Willst du jetzt etwa poetisch werden? Nein, aber findest du nicht auch, dass es wie ein Auge zu einer fremden Welt ist? Ach was, lauter Spinnereien. Da knie dich hin! Du hast wohl gedacht, du seist schon fein heraus.
Du hast wohl geglaubt, ich würde dir helfen. Da hast du dich eben getäuscht. Aber ich bitte euch, ich konnte doch nicht anders, um Gottes Willen. Schweig! Wir haben deine Ausreden satt. Wir wissen nun ein für alle Mal, wie wir mit dir dran sind. Und wir werden uns danach richten. Sag doch, ich bin ein Dieb. Hörst du nicht? Russ, du sollst sagen, du bist ein Dieb! Ich bin ein Dieb. Das war eine gute Idee von dir, Kleiner. Und jetzt sagst du noch, ich bin ein Tier. Ein diebisches Tier. Euer diebisches Tier. Ich bin ein Tier, ein diebisches Tier, euer diebisches Tier. Oui, aujourd'hui, je pourrais plus tourner ça, je crois. Ça me fait un mal terrible de regarder cette violence à la fois sournoise et ouverte. Mais quand on a 20 ans, on est plus dur que ça. Oui, ce qui me frappe, il y a trois choses qui me frappent, enfin beaucoup d'autres choses, mais trois particulièrement qui me frappent dans cette séquence. D'abord, tu venais juste de parler de Fritz Lang. Et c'est fou parce que ce film était d'une nouveauté à l'époque. Ça t'impose tout de suite comme quelqu'un qui a un regard et qui a une personnalité très forte. En même temps, on voit ton lien avec le cinéma allemand de Weimar, avec M, cet interrogatoire qui est terrible. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, le choix du noir et blanc à une époque où il y avait encore beaucoup de films, où il y avait déjà beaucoup de films en couleur. Et puis troisièmement, ce personnage. Le deuxième personnage qui n'intervient pas, qui regarde et qui ne témoigne pas, cette absence d'engagement, alors que toute ta vie, ça va être au contraire. Toi, tu voudras témoigner. Et tu critiques dans ce film ce personnage qui ne veut pas s'engager, qui ne veut pas prendre parti, qui ne fait rien. Oui, quand il dit est-ce que cette lampe ou ce qu'on vient de voir n'est pas comme un regard dans un autre monde. C'est pour le jeune personnage de Mathieu Carrière, là, Thurless. Il a l'impression que pour la première fois, il a vu le mal. C'est une question qu'avant, il ne comprenait pas comment peut-il y avoir le mal au monde, quoi. Et là, il voit que ça arrive de la façon presque la plus anodine, la plus normale, plus banale, dans un collège, dans le grenier où ces jeunes dictateurs en herbe s'exercent sur une victime. Donc ça, c'est... Et il n'est pas seulement observateur, c'est aussi qu'il a aussi une part de méchanceté en lui, puisqu'il suggère... dit que tu es un voleur, dit que tu as un porc, que sais-je. Le fait que ça soit en noir et blanc était dû à la nécessité financière, tout simplement. Nous voulions tourner en couleur, mais la couleur était encore très chère à l'époque. C'était d'ailleurs pas en 69, mais on a tourné en 66. Ou plus exactement, oui, on a tourné à l'automne 65 et le film est sorti en 66. La couleur, ça coûtait de l'argent et j'ai trouvé que ça avait presque une facilité de le tourner en noir et blanc. Et les tuniques bleues avec des cols rouges, je m'en souviens très bien, c'était très payant. Ça avait un côté Visconti. Maintenant, la référence principale, évidemment, c'est celle Fritz Lang, doublement. Dans M le maudit, il y a le tribunal de la pègre, du underworld, qui juge le pédophile Peter Lorre qui a été arrêté. Donc c'est comme une moquerie d'un vrai tribunal. Et ça, c'est un petit peu ça. Mais surtout, le garçon qui joue la victime ici, celui qui est soumis au mobbing, il avait 15 ans, il était fou de cinéma. J'ai découvert avec les autres dans des cours d'école.
Et il ne voulait pas jouer le rôle parce qu'il voulait jouer un rôle actif. Il rêvait de John Wayne, que sais-je. Et je lui ai montré le film M. le Maudit de Fritz Lang pour lui montrer qu'une victime pouvait aussi être le héros d'un film. Voilà. J'ai souvent pensé que tu étais le plus français des cinéastes allemands et que tu étais le plus européen des cinéastes européens. Ton œuvre est remplie d'adaptations d'auteurs de tous les pays, en particulier d'auteurs français, de Marguerite Yourcenar et bien d'autres. Ça, c'est une chose intéressante. Et je pense que beaucoup de gens ici le savent. Enfin, tu citais Bertrand Tavernier et le lycée Henri IV, mais tu as eu le premier prix de philosophie au concours général, et tu as surtout travaillé, tu as fait l'IDEC, l'école de cinéma, et puis tu as surtout travaillé avec trois très grands cinéastes qui t'ont certainement formé, Alain Resnais, l'année dernière Marion Bade, Louis Malle, plusieurs films, et Jean-Pierre Melville. Et c'est tout de même une formation passionnante, et néanmoins tu vas tourner ton premier film, tu aurais pu le tourner en France, mais tu vas le tourner en Allemagne, avec l'aide de Louis Malle. Oui, alors exactement. Cet internat austro-hongrois en 1900, en fait, m'était inspiré par la boîte des jésuites à Vannes dans le Morbihan, où j'ai fait mon premier bac, où j'ai passé 2 ans. D'ailleurs, le choix du premier film, j'ai dit, mais je ne connais rien à la vie, mais je connais bien la vie dans un internat. Et comme c'est un microcosme qui reproduit presque un petit peu la dynamique qu'il y a dans le monde des adultes. Et effectivement, j'étais tellement implanté comme un assistant réalisateur très recherché à Paris, que je voulais faire aussi mon premier film à Paris. Et c'est les amis, dont les réalisateurs que tu as nommés, qui m'ont dit, mais non, mais pas du tout. Toi, tu vas rentrer chez toi et tu vas nous faire un film allemand. J'ai dit, mais j'y connais rien, je suis parti à 15 ans d'Allemagne, je reviens à 26 ans, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc, autre choix, cet univers très très limité d'un collège. Et mais avec tout ce que j'avais appris, je ne sais pas de qui, évidemment, il y a du Melville là-dedans, il y a peut-être du Louis Malle, parce que Louis Malle est celui dont j'ai été l'assistant le plus fréquent pendant 5 ans, tous les films, les reportages en Indochine, en Algérie, partout, c'était comme mon grand frère. Lui m'a beaucoup encouragé à faire ce film, et j'ai seulement compris pourquoi quand, 15 ans après, j'ai vu Au revoir les enfants. Et déjà, en préparant le film, il m'a dit, mais souviens-toi, comme c'est dur le matin de se réveiller dans un dortoir, il fait froid et on voudrait rester sous les couvertures. Et alors effectivement, j'ai cette scène dans Thurless, et bien cette scène, elle est aussi dans Au revoir les enfants. Il y avait donc des affinités, et si j'ai été influencé en faisant le film, dans la vie, c'était par mes amis français, par ma vie en France. À l'écran, c'était par les films que j'ai vus à la Cinémathèque, qui était ma vraie formation, de voir 3 films, bienvenue à la Cinémathèque, de voir 3 films tous les soirs, rue d'Ulm, pendant 2 ans. Et alors, c'est toutes ces influences ensemble qui ont fait que c'est un film qui a... Comment dire, c'était quand même le moment de la nouvelle vague, c'était quand même la caméra à la main, c'était tourné dans la rue et tout ça, et de retourner dans quelque chose d'aussi classique que dans la façon de filmer, c'était la volonté de donner un coup de chapeau au cinéma allemand des années 20 et d'affirmer, voilà, nous voudrions renouer avec ce cinéma-là, en oubliant la période nazie et en oubliant surtout aussi le cinéma ouest-allemand de l'après-guerre, qui était d'une mièvrerie sans fin. Alors justement, Volker, ce qui me frappe dans cette démarche, c'est,
c'est qu'il y a deux nouvelles vagues, en fait. Il y a la nouvelle vague issue des cahiers du cinéma, Truffaut, Romer, Godard, etc. Bon, d'une certaine façon, ton deuxième film, on ne peut pas faire un extrait de chaque film, mais Mord und Totschlag, Vivre à tout prix, avec Anita Pallenberg, était plus, disons, si celui-ci se réfère à Weimar ou à sa forme d'expressionnisme, on l'a vu par les cadrages, par les décors, par les lumières, le deuxième était tourné en plein air, plus dans la tradition de cette nouvelle vague, alors qu'en fait, les trois metteurs en scène, je parle surtout de René et de Louis Malle, comme toi sortaient de l'IDEX, c'était des professionnels qui étaient ils n'étaient pas dans une rupture complète avec le cinéma d'avant. Et c'est un peu le chemin que tu as trouvé aussi. Ben ça, à l'époque, je disais, je veux être un artisan, un ébéniste ou un menuisier qui sait faire une table qui tient debout, une belle chaise, comme ça, je voudrais faire du cinéma qui se tienne. Surtout, ne parlons pas d'art, nor the deeper meaning, surtout d'abord l'artisanat. Et ça, effectivement, avec eux deux, mais surtout aussi Melville, qui était autodidacte, mais très, très artisanal. Et cet amour du métier que j'ai pris là, c'est ce qui me fait marcher encore aujourd'hui. Mais je savais bien ça, une adaptation littéraire, d'accord, pour le premier film, mais le second, ça va être très différent. C'était un fait divers, des jeunes, presque un polar, que j'ai écrit avec un ami, etc. Et alors, voilà la chose terrible qui s'est passée. Je pensais bien que, voilà, enfin, je suis arrivé dans mon époque. Anita Pallenberg, qui était l'égérie des Rolling Stones, d'ailleurs, Brian Jones des Rolling Stones, a fait la musique du film. C'était criard, c'était très, très comment dire, dans son temps, et c'était un bide noir. Alors, oups, vite, pour le troisième film, je suis retourné à la littérature. Après ça, j'ai réessayé un film à moi. Et c'est un petit peu, à un moment donné, je me suis dit, mais après tout, il me semble que tu es meilleur quand tu travailles à partir d'œuvres préexistantes, plutôt que de partir de la matière brute de la vie réelle. Et peut-être qu'il vaut mieux que tu fasses ce que tu sais faire que de faire ce que tu voudrais faire. Et véritablement, sur ces trois premiers films, c'est un petit peu décidé ce qui m'a poursuivi pendant 50 ans ensuite, quoi, c'est-à-dire de presque toujours faire des adaptations littéraires, sans, d'ailleurs, plus j'en faisais, c'était comme un criminel, on s'y habitue, j'avais plus aucune mauvaise conscience d'être le cinéaste des adaptations littéraires. Mais de toute façon, je sais pas, il y a un préjugé chez les critiques, de dire c'est pas un film d'auteur parce qu'il est adapté, mais Kubrick a fait que des adaptations pratiquement, Visconti, Houston, Orson Welles, tous ces grands cinéastes ont passé leur temps à adapter. Mais justement, peut-être qu'en adaptant quelqu'un d'autre, on se révèle davantage que si on raconte sa propre vie, parce que si on raconte sa propre vie, il y a l'autocensure qui commence à agir, il y a des choses dont on ne veut pas parler, alors que peut-être qu'on les révèle davantage à travers l'entremise de quelqu'un. Oui, en tout cas, mon dernier film, Retour à Montauk, qui était en grande partie autobiographique et que j'aime énormément, forcément, je n'ai pas réussi à communiquer au public l'amour et la passion qui m'animaient en le faisant. Je laisse à d'autres d'analyser ça. Mais dans les adaptations littéraires que j'ai faites, quand je regarde en arrière, je vois très très bien que je n'ai pas fait tel ou tel film parce que c'était un chef-d'œuvre littéraire et que c'était important de le porter ou payant de le porter à l'écran. Non, c'était qu'il y avait toujours un lien très très personnel
à cette œuvre. Dans le cas des désarrois de l'élève Turley, c'est évident, ce jeune Mathieu Carrière, en moins beau, c'est moi. C'est cette curiosité de vouloir regarder et de plutôt observer la vie que de à tout prix de participer. Tout à fait moi. Dans la suite des films, là vous avez vu des extraits du Coup de grâce avec Margaret von Trotta. C'est absolument mon rapport avec Margaret. C'est la seule raison du film, ce n'est pas la Baltique ni Yourcenar, c'est strictement un film très très personnel sur notre rapport à nous deux, et ainsi de suite. Je pourrais sur beaucoup de films quelle est la part à moi. Là où j'ai résisté le plus, c'était Le Tambour, curieusement, celui qui a été le plus grand succès. Ça, je ne voulais absolument pas le faire. J'ai dit, mais ça n'a rien à voir avec moi, cet univers de Günter Grass, cet exubérant, ces cascades de mots, ces images extraordinaires, mais ce n'est pas moi du tout, du tout, du tout. Et finalement, j'ai cédé. J'ai eu la chance de trouver le petit David Bennett pour jouer le personnage. Et au fond, dès la préparation, mais certainement dès le premier jour de tournage, je m'identifiais totalement avec lui et je me rendais compte que j'étais en train de travailler sur le trauma de ma propre enfance. J'ai perdu ma mère dans un feu quand j'avais 5 ans. L'histoire d'Oscar, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est complètement perdu dans le monde, qui refuse le monde des adultes, qui perd sa maman et qui est là et qui a un côté un peu grinçant à vouloir provoquer les adultes. Et ben, c'est mon portrait craché. Alors, on va justement parler du premier des deux films que tu évoquais, c'est-à-dire Le Coup de grâce, qui est la première adaptation que tu fais d'un auteur français, Marguerite Yourcenar. Après, il y aura Un amour de Sfane, d'après Proust, et il y aura Le roi des aulnes de Michel Tournier. Donc, on va voir ce film avec, en particulier, évidemment, Margaret von Trotta, mais surtout, dans cet extrait, Valeska Gerz, une vieille actrice assez extraordinaire, auquel tu as consacré d'ailleurs un film, un documentaire, rien que pour le plaisir, rien que pour le jeu, qui là aussi te relie à Weimar, au cinéma de Weimar. Oui, même au cinéma français. Enfin, elle était dans la rue Sans-Joie de Pabst, elle était danseuse dans la danse grotesque, elle appelait ça. Donc c'est pas une danseuse, pas une ballerine, quelque chose de très expressionniste. Enfin, l'expressionnisme m'a toujours fasciné. Et je ne savais même pas qu'elle vivait encore. Elle avait tourné aussi dans La Chienne de Renoir. Et elle avait un cabaret à New York, je crois. Elle avait un cabaret aussi bien à Berlin, puis pendant l'exil à New York, et de nouveau à Berlin après-guerre. Mais elle a tourné avec Fellini aussi. Oui, dans Juliette des Esprits, elle fait un gourou hindou. Bon, elle peut tout faire, elle pouvait tout faire. Ce qui est formidable avec elle, c'est elle avait cette diction particulière qu'a Gloria Swanson dans Sunset Boulevard, cette façon expressionniste de jouer du cinéma muet. Et avant de tourner cette séquence, elle était en retard, j'ai pu la voir. On tournait dans un château en Autriche et j'ai dit, mais Valeska, il faut qu'on y aille. Je vois qu'elle était en train de se maquiller elle-même, pas de maquilleuse, et elle avait un œil violet et l'autre avec du vert et du rouge, et elle travaillait ses couleurs. J'ai dit, mais Valeska, on tourne en noir et blanc. Elle dit, mais on tourne votre film, je m'en fous de votre film. C'est pour moi que je me maquille. On va voir cet extrait donc du Coup de grâce. Habt ihr eigentlich einen Pianisten? Selbst schon sehen. Na, oh, der soll das können, Mensch. Der kann alles. Na los. Nur zum Spaß, nur zum Spielen. Das steht ja ganz woanders. Psst. Wunderbar. Ganz und
hier bist du. Willst nicht zu uns kommen? Um 12 Uhr? Ja. Der Mitternachtskuss unter dem Mistelzweig. Also komm. Oui, heureusement que ce clown est là, parmi tous ces officiers à la Ernst Jünger, que j'ai d'ailleurs portraité dans le... Enfin, dont j'ai tiré le portrait dans La mer à l'aube, il y a le personnage d'Ernst Jünger. Et vous aurez reconnu, évidemment, le jeune Turles, 10 ans après, Mathieu Carrière en officier. Ouais. Voilà, c'est 10 ans plus tard. Alors, c'est très frappant. Alors, à nouveau, le noir et blanc. Donc tu persistes. Oui, alors là, un choix conscient, que je trouvais que cette histoire qui se passe juste après la Première Guerre mondiale dans les pays baltes, on ne pouvait le raconter qu'en noir et blanc. Ouais. Alors il y a comme dans les tableaux allemands de Dürer ou de Holbein, etc., c'est la vieille femme et la jeune femme, la beauté blonde de Margaret von Trotta, et puis cette vieille personne, les trois, il aurait pu y avoir une troisième femme, les trois âges. C'est un motif pictural qui est très frappant là, dans l'extrait qu'on a vu, entre la première partie qui est sur Valeska Gerdt, la deuxième sur Margaret von Trotta. On a le temps de raconter une anecdote. Oui, tu sais qu'on ne peut pas parler avec moi sans que je raconte une anecdote sur Billy Wilder. Quand Billy Wilder a vu le film avec moi à Los Angeles, j'avais l'habitude de lui montrer mes films pour en discuter, et puis d'ailleurs en discuter d'autres films. On analysait les films comme si c'était des horloges suisses pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, où est-ce qu'il y a un accro ou quelque chose qui ne fonctionne pas. Elle dit, mais alors ton film c'est très étrange parce qu'il est très très beau et on est emporté par moments et puis on est complètement perdu, on ne sait plus du tout ce qui se passe. Essayons de comprendre ce que c'est. Ça se passe dans les pays baltes. Alors les pays baltes, c'est pas les Balkans, hein. Les pays baltes, c'est les pays baltes, c'est dans le nord, c'est entre la Pologne et la Russie. Tu sais que ici à Los Angeles, c'était sur Rodeo Drive, on ne sait pas très bien la différence. Donc géographiquement, c'est très très loin. Et ça se passe après, c'est des officiers. Mais tu dis, c'est en 1919, j'ai cru que la Première Guerre était finie en 18. Comment se fait-il qu'ils se battent encore? Ah, c'est les Russes blancs contre les bolcheviks et puis des aventuriers officiers allemands et polonais qui s'en mêlent. Donc, historiquement également, très très compliqué. Alors, quelle est l'histoire que tu racontes? Il y a la jeune femme qui est la baronesse dans un château, qui est entre les lignes, qui est tantôt pris par les uns, tantôt par les autres. Elle a plutôt des penchants pour les jeunes bolcheviks, mais il y a son frère qui revient avec un ami. Elle tombe amoureuse de l'ami de son frère,
jusqu'au moment où elle se rend compte que son frère et son ami sont amants. Alors là, elle va joindre les bolcheviks, elle est faite prisonnière par l'homme qu'elle aime, et comme on ne fait pas de prisonniers qui sont tous fusillés, elle demande que ce soit lui qui lui donne le coup de grâce. Alors Billy Wilder dit, tu as un arrière-plan historique et géographique compliqué, et au premier plan, une histoire également très compliquée. Je crois que c'est trop. Quand la prochaine fois, tu devrais soit raconter une histoire simple sur un fond compliqué, soit une histoire compliquée, mais alors il faut que le fond soit simple. Le mieux d'ailleurs, c'est peut-être que tu racontes une histoire simple sur un fond simple. Mais... Et c'est néanmoins un des films dont je suis le plus fier. Oui, justement, c'est un très beau film qui doit aussi beaucoup au cinéma français, si on veut. Évidemment, il y a La Règle du jeu, il y a La Grande Illusion, il y a tous ces exemples magnifiques. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est ton tu parlais de lui. Et puis à lui, il y a Eric von Stroheim qui est derrière toi au mur. Tu parlais de Billy Wilder. Tu as fait un documentaire sur Billy Wilder. Billy Wilder, how did you do it? C'est des heures et des heures de conversation, voilà, où il raconte des histoires comme celle que je viens de raconter. Il y avait le film sur Valéry Giscard, et puis il y a des films politiques que tu as fait aussi. L'Allemagne en automne, qui était un film collectif, et puis Der Kandidat, un film sur Franz Joseph Strauss. Donc, c'est un peu comme Tavernier aussi, ou Scorsese. C'est intéressant, les cinéastes qui font de la fiction, mais qui éprouvent le besoin, de temps en temps, de se replonger dans le documentaire. Oui, ben là encore, apprentissage de Louis Malle, cinéaste qu'on ne doit pas oublier. Il est en pleine guerre d'Algérie. On est allé à Alger et ailleurs. On a fait un documentaire pour 5 colonnes à la une. Des années plus tard, on était au Vietnam, au début de la guerre du Vietnam. Et puis lui, il est parti en Inde pendant plus d'un an à faire un grand documentaire. Alors vous voyez le cinéaste qui fait Les Amants et Au revoir les enfants et tous ces films très 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 raffinés et très de fiction, est toujours retourné à se plonger dans le réel en faisant du documentaire. D'ailleurs, à propos plongée, son premier film, c'était avec le commandant Cousteau, Le Monde du Silence. Donc, il était un très bon plongeur. Alors, je trouve que deux de tes plus beaux films, c'est justement sur la guerre civile. Il y a Le Faussaire, que tu as tourné avec Bruno Gantz, Skolimowski au Liban, dans la guerre civile au Liban, et puis ce coup de grâce. C'est deux films qui me paraissent parmi les meilleurs que tu aies tourné. C'est des choses qui étaient très, très proches. Non, ben ça, né en 39, donc les deux dernières années de la guerre, je les ai vraiment participées, partagées dans une ville avec de l'industrie, donc avec les bombardements toutes les nuits. Je dis pas du tout que j'en suis traumatisé, mais pour moi, c'était la vue normale d'une ville en grandissant ensuite en Allemagne après-guerre. Une ville, c'était une ville en ruine, et la première ville que j'ai vue, la première fois que j'ai vu une ville qui n'était pas détruite, c'était Paris. Sortant du train en 1955 et éberlué, oh là là, c'est incroyable, parce que Francfort, Mayence, enfin toutes les villes que je connaissais étaient détruites. Donc oui, les guerres civiles comme les villes détruites ou les villes en ruine me semblait faire partie de la condition humaine. Quelque chose de... où d'ailleurs le meilleur et le pire se révèlent de ce qu'ont les hommes. Est-ce que tu appartiens à la catégorie des cinéastes comme René qui forment une troupe et qui changent rarement, qui prennent presque tout le temps, pendant très longtemps, le même opérateur, le même décorateur, etc. Sauf les scénaristes qui changeaient tout le temps, mais sinon, il avait l'idée un peu théâtrale de la troupe.
ou au contraire des cinéastes qui aiment changer, par exemple. J'aimerais, puisqu'on vient de voir ces deux magnifiques noirs et blancs, ton choix, par exemple, du chef opérateur, il se fait dans quelles conditions ? Non, j'aurais rêvé d'avoir une troupe plus ou moins permanente, d'acteurs aussi, toujours, vous avez vu, il y en a quand même qui reviennent. Seulement, je suis trop nomade de tempérament. René n'a jamais bougé de Paris. Et moi, j'ai tourné un petit peu partout au monde et j'ai aussi vécu un peu partout au monde. Et donc, nécessairement, il faut trouver de nouvelles équipes là où on est. Mais je garde une préférence pour le chef opérateur du premier film. On a fait 3 ou 4 films ensemble, Franz Rath. Le second, Igor Luther, qui a fait aussi bien le coup de grâce que le tambour et le faussaire et la servante écarlate en Amérique. Donc, oui, très très grand chef opérateur qui a eu des problèmes d'alcool, sinon je serais encore travaillé avec lui. Ce n'est pas. Je veux dire, quand on bouge beaucoup, on ne peut pas être fidèle dans tous les sens. Alors, ce qui est aussi intéressant par rapport au cinéma allemand dont on parlait, c'est qu'à la différence de Wenders et d'Herzog qui ont évacué vraiment le politique, qui ont évacué de leur film vraiment le social et le politique, tu es plus proche finalement de gens comme Fassbinder ou Reinhard Hoff ou même Kluge, d'un intérêt pour la politique. Et aussi, par exemple, tu es très synchrone avec ce qui se passe aujourd'hui dans le mouvement féminin, c'est-à-dire que la condition de la femme humiliée, la femme maltraitée, a été aussi au cœur de certains films, Katharina Blum, par exemple, et puis il y a aussi Les Trois Vies de Rita Vogt, qui sont des films alors, directement politiques, le deuxième étant sur l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Bon, il y a tout. Je parlais des documentaires que tu as tournés aussi. Donc, cet intérêt pour le politique est quelque chose, et pour la condition de la femme. Et évidemment, ton association avec Margaret von Trotta, puisque vous avez tourné et signé ensemble la mise en scène de L'Honneur perdu de Katharina Blum. C'est pas parce qu'on est au Luxembourg, mais c'est encore l'influence française sur moi. Je me souviens quand je suis arrivé au collège en seconde. À Vannes dans le Morbihan, où donc on peut vraiment dire au bout du monde, surtout en 56, c'était le bout du monde. J'arrive et je vois tous les prêtres et tout le monde absolument agité. C'était Budapest. Je sortais de l'Allemagne d'Adenauer, j'avais aucune idée politique ni rien, sauf que les communistes, tout ça, c'est des sauvages. Vraiment, complètement, comment dire, ignorant de la vie politique. Alors, c'était la découverte même qu'on pouvait discuter de politique. Puis, moi j'étais protestant, et il y avait 3 autres non-catholiques au collège, c'était des Marocains. Alors, du coup, par eux, et un Algérien, c'était le début de la guerre d'Algérie. Alors, j'ai plongé là-dedans. Et alors, ensuite, c'était le quartier latin, j'ai pris ce virus politique et à ce jour, je ne peux pas commencer ma journée sans lire un journal ou deux où je ne lis que les pages politiques et économiques, jamais la culture. c'est une passion qui ne me quitte pas. On peut dire aussi que cette conscience politique, on a grandi avec. Je crois que c'est la marque. Je n'ai pas vraiment. En 68, j'avais déjà fait 3 films. Mais néanmoins, je me considère, et j'étais solidaire, et j'ai très vite connu Danny Cohn-Bendit et beaucoup d'autres, et en Allemagne, etc. J'étais très, très engagé. Mais c'est plus engagé qu'idéologue. Parce que depuis 10 ans, dès avant sa première candidature, j'ai œuvré pour notre chancelière, chrétien-démocrate. Mais en fait, c'est une gauchiste.
J'ai simplement cette passion dans la vie réelle que, évidemment, qu'on retrouve aussi dans mes films. Mais je n'ai jamais voulu avoir l'étiquette d'un, comment dire, de cinéaste politique qui vend une idéologie. Mais je suis intéressé de voir comment fonctionne un ensemble de gens, quels sont les rapports de force et un conflit strictement individuel, privé presque. Ne m'a jamais intéressé. Il faut toujours, disons, quelqu'un tombe amoureux, c'est formidable, etc. Et à ce moment-là, soit la guerre éclate, ou il y a un événement extérieur qui l'arrache, et il faut qu'ils réagissent dans leur rapport individuel au monde extérieur en même temps. Je trouve que c'est là que ça devient intéressant. On va voir un troisième extrait, c'est évidemment ton film le plus célèbre, puisqu'il t'a valu la Palme d'Or à Cannes et l'Oscar à Hollywood, c'est le Tambour, nouvelle adaptation d'un auteur de langue germanique, après Brecht, Bâle, Kleist, Michael Kolas, Heinrich Böll, L'honneur perdu, Katharina Ploug, j'essaye de ne pas les oublier, Max Frisch, Retour à Montauk. Voilà, donc tous ces écrivains de langue germanique, et là c'est évidemment Günter Grass et ce film épique sur cet enfant qui refuse de grandir, dont on va voir un extrait. Oui, j'ai choisi cet extrait qui est aussi parce qu'il montre combien il porte un regard sur le monde des adultes. Je ne dis pas que c'est un voyeur, mais c'est un observateur. Comme Robert Musil avait appelé le jeune Turles, monsieur le vivisecteur, mais le petit Oscar aussi est un vivisecteur. Toi aussi. Le metteur en scène, c'est un vivisecteur. Oui. Oscar, komm. Donc c'est évidemment sa maman et ses deux pères présumés, le mari et l'amant de la femme, mais elle ne sait pas lequel des deux est son père. Gulden gegeben.
So. Bild dir man bloß nicht ein, dass ich von dem Aal esse, Alfred. Du stell dich doch nicht so an, Mädchen. Überhaupt kein Fisch esse ich mehr. Und Aal schon gar nicht. Hast doch gewusst, dass Aale da dran gehen. Und hast immer frische gegessen. Ruhe jetzt! Hör mit dem hier Trommel auf, ein für alle Mal. Lass das Kind in Ruhe, Alfred! Und setz sie am Tisch! Wer war denn schuld? Wer hat denn die Klappe offen gelassen? Ach, olle Kamellen. Setz dich. Probier lieber, wie meine Wenigkeit die prima zubereitet hat. Da wollen wir sehen, wer isst und wer nicht isst. Aalgrün mit Dillsoße, ein Lorbeerblatt und etwas Zitronenschale. Alfred, das ist doch Unsinn. Wenn sie nicht essen will, dann zwing sie auch nicht dazu. Misch du dich da nicht ein. Lass sie tun, was sie will. Was hast du davon, wenn sie sich nachher wieder übergibt? Ich kauf dir alle doch nicht umsonst. Komm her, probier erst einmal. Die sind doch sauber ausgenommen und gewässert. Ob Gerlache! Ist keine Galle ausgelaufen, die Leber schön hell und frisch sind die. Also der ganze Sabber ist doch weg. Oskar, am Tisch! Mit dir reden, Cousin. Und der Fisch wird kalt. Frauen sind da empfindlicher. Sprich du mit ihr, wenn sie sich nur wieder beruhigt. Le temps passe, mais on a encore quelques quinzaines de minutes. Oui, Volker, on n'a pas du tout évoqué dans ce travail d'adaptation que tu as fait souvent dans ton travail, dans ta carrière, adapter des. Tu ne le fais pas seul, c'est-à-dire tu t'accompagnes très souvent, tu demandes un co-scénariste, et en particulier Jean-Claude Carrière, qui a travaillé avec Louis Malle et avec Buñuel. Et qui pour toi est sûrement important dans ton travail. Oui, d'abord Jean-Claude Carrière est le meilleur, non seulement le plus connu, mais le meilleur avec qui j'ai jamais pu travailler. On s'est connus quand j'étais encore assistant de Louis Malle pour Viva Maria, qu'ils avaient écrit ensemble. Et depuis, il y avait une affinité avec lui. Et quand le projet du tambour se présentait, je suis allé le voir parce que j'étais tellement intimidé par l'écriture de Günter Grass, par son style, par cette des cascades de mots, des choses, foisonnement et tout ça. Et je me suis dit de travailler avec Jean-Claude sur une traduction. Ça nous permettait de prendre une certaine distance, et il m'a aidé à mettre un peu d'ordre dans ce chaos, au point que Günter Grass trouvait qu'il y avait à la fin trop d'ordre, c'était trop cartésien et pas assez catholique. Mais souvent, parfois je travaille tout seul ces dernières années, oui,
je travaille plutôt tout seul, mais quand j'ai pu avoir le dialogue avec un scénariste, d'abord je trouve que c'est formidable, c'est un vrai plaisir pour travailler, parce que c'était pas du tout que l'un partait pour écrire le scénario, le scénariste, et puis il revenait. Non, on est assis face à face et phrase par phrase, on écrit, on essaie les dialogues, on essaie des constructions. C'est formidable. Jean-Claude Carrière, il a vu quelque chose dans le tambour que moi, je n'avais pas pensé. Je ne suis pas sûr si Günter Grass avait pensé. Mais c'est que... ça raconte l'histoire de ce petit garçon qui ne veut plus grandir et qui est dans cette constellation entre son père et son oncle et sa maman et le magasin de l'épicerie. Dit Jean-Claude, c'est pas la vie du petit garçon qu'on raconte. Quand le petit garçon naît, le parti nazi naît. Quand le petit garçon va à l'école, Hitler prend le pouvoir à Berlin. Quand il va visiter son oncle à la poste polonaise à Gdańsk, il y a les premiers coups de feu de la Deuxième Guerre mondiale. Quand il arrive à Paris, c'est juste après que Hitler ait été sous la tour Eiffel avec Speer, et voilà la petite troupe de Oscar. Quand les Alliés débarquent en Normandie, le petit Oscar avec sa troupe est dans un petit château en Normandie. Et quand l'armée russe entre, l'armée rouge entre à Gdańsk, il est juste de retour à Gdańsk. Donc la vraie courbe du film... Ce n'est pas du tout la vie d'Oscar, c'est l'arrivée des nazis au pouvoir, le début de la guerre, l'apogée et la chute et la fin. Voilà. Ça, c'est des choses que, comment dire, au dialogue avec un scénariste, on arrive plutôt à découvrir des choses comme ça. Avec Margaret von Trotta, j'ai beaucoup travaillé, évidemment, que ce soit l'honneur perdu de Katharina Blum, le coup de grâce, même le faussaire. C'est le point de vue d'une femme qui est quand même, ça j'ai appris, très très différent de celui d'un homme. Donc, je trouve que c'est joyeux et c'est enrichissant. Et c'est bon parce que finalement, on fait du spectacle. Et le scénariste et le réalisateur sont un petit peu les deux premiers spectateurs d'un film imaginaire. Et s'ils sont assez lucides, ils peuvent décider est-ce que ça va m'intéresser comme spectateur ou pas. Alors, brièvement, parce que je voudrais passer le quatrième extrait. Ce qui aussi est intéressant chez toi, c'est le voyage en Amérique, mais contrairement à Herzog qui est resté là-bas ou à Wenders qui y va souvent, tu n'es pas resté longtemps, tu es resté 4-5 ans, tu as fait 3 ou 4 films en Amérique, La mort d'un commis voyageur, Colère en Louisiane, La servante écarlate, mais tu ne t'es pas... Alors, est-ce que c'est le système hollywoodien qui, d'une certaine façon, tu l'as trouvé trop contraignant ou trop différent de ce que tu connaissais en Europe ? Non, d'abord, je n'ai jamais été à Hollywood. J'étais à New York. Je suis venu parce qu'on m'avait proposé de faire La mort du commis voyageur avec Dustin Hoffman. Difficile de dire non. Et un jeune inconnu à l'époque, John Malkovich. Ça devait être un seul travail à New York. Et j'ai trouvé cette ville tellement formidable et tout ce qui s'est passé. Je suis resté de plus. J'ai fait un autre film et un autre film. Et peu à peu, je crois que je serais resté si un jour, il n'y avait pas eu la nouvelle que le mur est tombé à Berlin. Alors là, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais à New York ? Il faut aller à Berlin, ça doit être très, très intéressant maintenant, qu'on enlève, comme dans une batterie, entre deux pôles, le mur, et il y a ces deux sociétés qui vont s'affronter. Ça va être formidable. Eh ben, j'y suis donc depuis 25 ans ou 26 ans, et je ne l'ai jamais regretté. Mais sans ça, je crois que je serais resté en Amérique. Je m'y sentais très bien. Alors, tu es revenu en Allemagne, tu as dirigé, on va passer parce que c'est passionnant aussi, les studios de Babelsberg, qui te ramenaient
au passé du cinéma allemand, puisque Babelsberg, c'était là aussi où la UFA faisait, produisait ses films, etc. Et puis alors, ce qui me frappe, c'est que dans les années 2000, quand tu es rentré en Allemagne, tu te concentres sur des films qui parlent du nazisme, qui parlent le 9e jour, qui parle du nazisme à travers ce prêtre luxembourgeois, en tout cas, non, ce prêtre allemand. Oui, Jean Bernard. Prêtre luxembourgeois, absolument. Luxembourgeois, oui. Qui a tenu un journal, ou plutôt qui a écrit sous forme de journal, aussitôt qu'il était sorti du camp de Dachau, ce qu'il avait vécu. C'était donc un témoignage en direct très très fort. Les Allemands le libèrent temporairement pour qu'il essaye de convaincre un évêque luxembourgeois qui refuse d'accepter la politique du pape qui était complaisante à l'égard du nazisme. Bon. Ensuite, tu fais La mort à l'aube sur Guy Moquet, sur la résistance en France, et enfin Diplomatie sur von Scholtitz et l'ambassadeur du Danemark, non, de Suède. C'est l'ambassadeur de Suède, du Solidaire. C'est ça. Donc, sur Paris brûle-t-il, va-t-on détruire Paris comme le demande Hitler ou non? Mais enfin, ces trois films tous les trois se rapportent à... Puis à l'ogre aussi. Voilà. Oui, il y a effectivement... C'est fou, je crois que la moitié de mes films traitent de l'époque nazie et de la Deuxième Guerre mondiale. Mais ça, j'y peux rien, quoi. Je suis né en 39. C'est les cartes qu'on m'a données à jouer. Il fallait que je les joue. Mais je me suis juré de ne plus jamais y retourner. Seulement, c'était déjà arrivé plusieurs fois. Et puis, paf, on me présente une histoire comme celle, justement, de l'abbé Jean Bernard. Eh ben, on ne peut pas dire non. Il faut la raconter. Je ne choisis pas les films. Les sujets viennent me trouver. Et là, on va voir donc un extrait du 9e jour, voilà, sur cette histoire au Luxembourg, puisque nous y sommes. Qui, effectivement, donc, cet abbé, tu l'as brièvement résumé, très, très connu évidemment au Luxembourg, avait été interné avec presque enfin, tous les prêtres, tous les curés qui ne voulaient pas accepter d'abord l'attachement du Luxembourg au Reich allemand, et deuxièmement qui ne voulaient pas accepter l'attachement de l'Église du Luxembourg, enfin de l'Église catholique, au catholicisme allemand qui, en partie quand même, était de mèche avec les nazis. Donc il faisait une double résistance et qu'on a essayé de briser. Mais l'extrait montre simplement un bref épisode dans le camp et comment les prêtres, par leur foi, que je ne partage pas, bien que je sois assez spiritualiste, ont réussi à résister. Voilà, donc l'extrait du 9e jour. Das Geheimnis lasst uns künden, dass uns Gott im Zeichen ruht, Jesu Leid für unsere Sünden hingegeben in den Tod. Jesu Blut in... Du glaubst also wirklich, dass es einen Gott gibt? Und wo ist er? Siehst du ihn hier irgendwo? Hochziehen! Lasst uns künden, lasst uns Gott in Zeichen Mut. Jesu Leib für unsere Sünden hingegeben in den Tod. Jesu Blut, in dem wir finden Heil und Rettung. Geboren, war zu uns Menschen gleich.
hat den Seinen zugeschworen, alle Zeit bin ich. Deine Mutter? Du hast Glück. Ich habe meine Mutter nie kennengelernt. Wie lange bist du schon hier? Ich weiß es nicht mehr. Donc en 1956, à Vannes dans le Morbihan, un jour au collège, on a dit aujourd'hui il n'y a pas de classe, on va tous au cinéma. On allait au cinéma, le moderne, et donc tout le collège, je ne sais pas, 600, 700 garçons, on a dit vous allez voir un film qui va sortir très bientôt. Et qui a été fait par un ancien élève qui s'appelle Alain René. Et le film, dont les parents étaient pharmaciens à Vannes, et le film c'était Nuit et brouillard. C'était la première fois après-guerre qu'on voyait les documents des camps. Les cheveux, les lunettes, l'amoncellement des cadavres, les bulldozers et tout ça. Aujourd'hui, on est habitué à ces images, mais quand on les a vues la première fois, c'était un tel choc absolument intenable, mais surtout, comme j'étais le seul Allemand dans la salle, je me suis dit, bah, maintenant, à la fin du film, tout le monde va se retourner vers moi et me demander, mais voilà, me demander des comptes, ce qui ne s'est absolument pas fait, mais le choc était profond et probablement depuis toujours j'ai essayé par mes films de donner réponse à la question, mais comment cela a pu être possible? Comment dans un monde civilisé, un peuple soi-disant cultivé, ces choses-là ont pu arriver? Et mais il y avait une chose qui était certaine après ce choc, ça c'est ce monde du camp de concentration était au-delà de l'art de la mise en scène. C'était pas une chose qu'on pourrait jamais reconstituer. Et je m'y suis tenu pendant plus de 40 ans, malgré des propositions, mais voilà, d'autres l'ont fait. Il y a eu la série Holocaust de Chomsky d'abord avec Meryl Streep. Il y a eu Le Pianiste. Il y a eu Sophie's Choice. Beaucoup de films, c'est presque devenu un genre en soi, le film Holocaust. Et là, on m'envoie le journal de l'abbé Jean Bernard. Et il avait ceci de particulier que c'était presque écrit comme un scénario. C'était tout écrit en gros plan, comme s'il avait été trop faible pour avoir une vue d'ensemble du camp. Il ne parlait que de détails, mais de détails aussi saugrenus que cet officier SS se baladait toujours à vélo dans le camp. C'est quand même très très bizarre, très surprenant. Après la description des repas, où il montre que les bols en aluminium ou quoi, en fer blanc, et il décrivait le bruit des cuillères qui grattaient ces bols en fer blanc où il n'y avait rien dedans, mais dans l'espoir que peut-être une goutte de soupe se trouverait. Mais aussi que
que toujours quand il marchait, son horizon et son attention étaient tellement réduites qu'il ne pouvait regarder que les pieds ou les chaussures du gars qui marchait devant, ou les sabots du gars qui marchait devant lui, mais jamais de vue d'ensemble. Et c'est ça qui a été le, comment dire, le guide pour pouvoir transposer ça à l'écran. Merci beaucoup, Volker Schlöndorff. Donc on termine sur cet extrait et son commentaire. Merci beaucoup pour cette... Merci à toi pour ta compréhension et pour votre patience.